Zombie apocalypse. Humanity survived. Our ancestors have destroyed the world, and we had to pay the price. With over 100 years without sunlight, but we have prepared ourselves for our chance to make things right. They stole from us a life of happiness. Still, we will make the best of it. Even though Mother Earth is grim and tainted, we have managed to survive. And we will keep surviving. Et salut tout le monde, c'est Shirel. On se retrouve sur le test du jeu Endzone Award Apart que les développeurs m'ont offert. Donc j'en profite pour les remercier. Donc après cette magnifique intro, passons au test du jeu. Donc Endzone est un jeu de gestion apocalyptique, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Un monde détruit, radioactif, où la Terre est devenue inhospitalière. Un héritage empoisonné que les anciens ont laissé à la nouvelle génération. Notre but, ça va être quoi? De rebâtir, de rendre la vie à nouveau possible sur cette nouvelle terre et surtout survivre. Il va falloir couvrir bien sûr les besoins primordiaux, la nourriture, l'eau, etc. Mais aussi gérer les matériaux afin de construire les bâtiments nécessaires à notre survie et faire attention à la radioactivité. À cela, vous ajoutez une pincée d'événements affectant le jeu pouvant entraîner un game over si toute votre population, évidemment, meurt. Et vous aurez Endzone Award Apart. Alors, c'est un jeu de gestion, un jeu de survie. Donc, après l'apocalypse, certains ont survécu. Et qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on reconstruise, effectivement, un sens de vie. Puisqu'après 100 ans, on ressort des sous-sols. La Terre est remplie de radioactivité. Et évidemment, ben, il va falloir essayer de gérer tout le monde pour essayer de faire survivre un maximum de personnes. Donc on est parti sur une nouvelle partie. Il y a 3 modes possibles de jeu en tutoriel pour comprendre bien correctement comment fonctionne le jeu. En mode survie ou en scénario. Alors le tuto, ben, c'est un tuto indépendant qui vous enseigne tous les aspects importants du jeu. Ou familiarisez-vous avec certaines parties du jeu, en bref, en segments. C'est-à-dire ça va vous permettre de comprendre comment le jeu fonctionne comme tout tutoriel. Surtout en gestion, c'est super compliqué, donc vaut mieux avoir un tuto de départ. En mode survie, vous pouvez configurer votre partie en fonction de vos propres envies, sans poursuivre un objectif général. Créer une colonie gigantesque ou affronter un environnement impitoyable, tout est possible tant que vous survivez. Ou alors le mode scénario, où on peut choisir parmi une sélection de scénarios éprouvants aux objectifs variés. Donc je pense qu'on va partir, nous, sur le tutoriel. Pourquoi? Parce que je ne connais pas le jeu. Enfin, j'ai vu certaines vidéos où des youtubeurs jouaient, mais je ne me suis pas spoil du tout. Donc je pense qu'il vaut mieux commencer par le tutoriel pour bien se familiariser avec tous les bâtiments et comment attribuer les tâches et comment ça fonctionne. Allez, go, on est parti. Alors, un tutoriel plus long et indépendant qui comprend tous les aspects importants du jeu. Suivez les instructions d'Arthur Sochin pour obtenir des indices importants et des informations utiles. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que c'est écrit super petit, quoi. Et des informations utiles afin de survivre dans le monde cruel d'Endzone A World Apart. Alors, des succès en rapport avec les tutoriels, il y en a plusieurs, ça peut être sympa. D'accord, tutoriel principal, qu'est-ce qu'on a après? Tutoriel sur l'eau.
Il y a différents tutos, c'est assez bien foutu. Une brève introduction au sujet de l'approvisionnement en eau dans Red Zone. Apprenez les étapes nécessaires pour fournir à votre colonie et à ses habitants cette ressource indispensable à la survie, ainsi que les différents types de possibilités dont ils disposent pour trouver dans cette, pour la trouver dans cet environnement hostile. Oui, parce que vu que c'est radioactif, l'eau n'est pas toujours potable. N'est pas potable d'ailleurs. Donc sur la nourriture, une brève introduction à l'approvisionnement en nourriture dans le précipice. Apprenez les différentes étapes pour fournir à votre colonie et ses habitants assez de nourriture ainsi que les différentes possibilités de récupérer de la nourriture dans cet environnement hostile. Bah, à chaque fois, il y a des succès à débloquer. Ok. Un tutoriel sur la confiance en soi. Une brève présentation du système de confiance en soi dans Endzone. Familiarisez-vous avec les divers effets que peut avoir la confiance en soi sur vos colons et les moyens de l'influencer. Waouh. Eh bien, il y a des choses à faire. Tutoriel sur les radiations. Une brève introduction à la contamination radioactive dans le précipice et comment le combattre. Apprenez les étapes nécessaires pour protéger votre colonie et ses habitants du danger. Tutoriel sur le système de troc. Une brève introduction au système de troc d'Endzone. Familiarisez-vous avec les postes de commerce et la façon de négocier avec les différents commerçants. Ok. Tutoriel des expéditions. Une brève introduction au système d'expédition dans Endzone. Apprenez les étapes pour mener à bien les expéditions et trouvez des ressources, des connaissances et des outils de recherche pour que votre colonie puisse se développer davantage. Mais il y en a un paquet de tutoriels à faire. Hein. Bien. Alors, une brève introduction au système de recherche dans Endzone. Apprenez à mener une recherche avec succès pour obtenir de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies ou de nouvelles formules de production pour votre colonie afin d'assurer la survie de cette dernière sur le long terme. Tuto sur les pilleurs. Une brève introduction au système des pilleurs dans Endzone. Apprenez à protéger votre colonie contre les attaques ou à les éviter complètement. D'accord, en plus on va se faire attaquer, on n'a pas assez d'irradiation, d'accord. Voilà, et tuto principal. Donc en fait, il va falloir faire chaque tuto. Donc on va commencer par le tuto principal, puis on fera les autres, je pense, après, avant de se lancer dans une réelle partie. Je pense que c'est le plus intelligent à faire parce qu'il a l'air assez compliqué. On a le système de survie à gérer. La survie, la gestion et tout ce qu'il y a là en tuto, waouh, ça a l'air d'être assez complet. Bon, on va partir là-dessus, sur le tuto principal, et puis dans une autre vidéo, ben, on fera tout simplement les autres tutoriels pour essayer de débloquer un max de succès, je dirais. Allez, c'est parti. Alors, le petit temps de téléchargement, au niveau graphisme, je le trouve assez sympa, il n'a pas l'air très très lourd. J'ai pas mon PC qui crie à l'aide, donc ça va. Voilà, et au niveau du chargement, c'est assez rapide. Donc on va avoir un monsieur qui va nous parler. Alors, voilà. We finally left the end zone. Just look at this beautiful scenery. It's marvelous. Even though it's a bit different from what we had pictured, we were able to secure a few basic resources and are storing them in our bus. Alors, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis les voix en français. Ou que les textes soient écrits comme ça, je trouve, ça serait un petit peu la petite critique que je fais pour l'instant. Parce que voilà, on ne peut pas écouter et lire en même temps, donc je vais le lire pour ceux qui n'y voient pas bien, les malvoyants. J'ai pas de possibilité d'agrandir le texte, hein, donc voilà, j'espère que je vais pas mourir non plus. Alors, Arthur Soching, alors je pense qu'il va intervenir à chaque fois comme ça pour nous donner des astuces. Ce sera le petit bémol que je mettrai. Nous avons enfin abandonné le précipice. Regardez ce magnifique paysage, c'est merveilleux, quoique légèrement différent de ce à quoi nous nous attendions. Nous avons réussi à mettre à l'abri quelques ressources essentielles dans notre bus. Construisons un nouveau foyer. I'm glad we prepared ourselves well for this kind of scenario, especially since our inventories in the end zone ran low. Don't forget that if you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Alors, je continue à lire pour les malvoyants. Heureusement que nous étions préparés pour ce scénario, d'autant plus que notre précipice commençait à être à court de stock. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur quoi que ce soit, consultez votre guide de survie. Alors, le guide de survie, je pense qu'il est là. Non, ça c'est les... Ouais, tutoriel. Allons-y.
Alors, on me dit de cliquer ici. Ok, alors on a le guide de survie. Les tâches vous permettent d'ordonner aux colons disponibles de rassembler des ressources spécifiques ou de décontaminer une certaine zone. Seuls les colons qui ne sont pas occupés pourront entreprendre les tâches. La seule exception concerne la tâche décontaminée. Chaque tâche peut occuper 4 colons, jusqu'à 4 colons. Ok. On a comment récupérer du bois. Les colons récupèrent, je ne vais pas tout lire, hein, mais on va jeter un œil vite fait. Récupérer des plantes, annuler la décontamination, construction des bâtiments, assigner des constructeurs à chaque bâtiment, à l'exception des champs et des vergers. Vous pouvez ordonner la construction d'un bâtiment en définissant un site de construction. Je pense qu'on va le voir dans le tuto, tout ça. Pardon. Les professions. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme profession ? Vous ne pouvez pas employer un colon directement. Vous devez déterminer combien de colons devraient pratiquer une profession donnée. Les colons seront ensuite automatiquement répartis parmi les professions. Les colons n'exerçant aucune profession ne restent pas inactifs. Ils transportent des ressources dans les dépôts, entrepôts, sites de stockage et nettoient la contamination radioactive dans les chantiers. Ils coupent également les arbres et nettoient les débris. Ils accomplissent également toutes les tâches que vous leur donnez. Si un colon exerçant une profession meurt, cette profession est automatiquement donnée à un colon disponible. Ça ne me donne pas les professions. Âge des colons. Vos colons prennent de l'âge jusqu'à mourir de vieillesse. Il est donc recommandé de surveiller le vieillissement des colons pour éviter qu'une colonie ne s'épuise. Ok. La faim. Donc, pour survivre, besoin de nourriture. Ok. La soif. La météo. Ah, alors, on a un système de météo qui a une grande influence sur la vie des colons. Vous devriez toujours consulter la météo attendue dans votre colonie dans les saisons à venir et vous préparer en fonction. Ouais, parce qu'on va avoir des attaques radioactives, des tempêtes, etc. qui risquent de nous faire mourir, tout le monde. Donc, on va essayer de ne pas tous nous crever d'un seul coup. Alors, la confiance en soi. De nombreux facteurs influencent la confiance en soi des colons. Les colons mécontents mettent plus de temps à se reproduire. Il y a un système aussi de bébés. Hein. Voilà. Les délais de recherche et de production augmentent également. La vitesse de marche des colons est même réduite si leur niveau de confiance en soi est particulièrement faible. En revanche, les colons contents se reproduisent plus rapidement, vivent plus longtemps. Ok, on verra ça, je pense, avec le tuto. La santé, cruciale. Les radiations sont l'un des plus grands dangers auxquels votre colonie est exposée. Vous devez tout faire pour éviter d'exposer vos colons aux radiations d'intensité élevée. Il existe différents niveaux de radiation, allant des radiations absentes aux radiations d'intensité élevée. Les radiations d'intensité faible sont généralement représentées en vert. Les radiations d'intensité moyenne en jaune, les radiations en rouge les plus élevées. D'accord. Ben écoutez, on va voir ça. De toute façon, protection anti-radiation, donc on va avoir un système de vêtements, je pense. Les outils, l'électricité, les expéditions. Alors ça, c'est quand on envoie des colons un peu plus loin sur la map pour aller chercher dans des endroits des graines, du plastique, du métal ou autre. Les accumulations de ressources, les débris, tri des débris, éducation, stockage, recherche. La recherche peut être effectuée pour développer de nouveaux bâtiments. Donc on va débloquer des bâtiments en fonction des recherches qu'on fera. Il est quand même relativement complet, je dirais. La décoration permet d'embellir les zones résidentielles de votre colonie et améliore le fait qu'ils soient contents, un peu comme... ça me fait penser un petit peu à médiéval, dans le sens où il faut qu'ils soient contents pour nous faire des bébés. Le tableau d'affichage est installé au sein du forum. Les colons y partagent leurs inquiétudes. Consultez régulièrement le tableau d'affichage pour repérer les nouvelles demandes. Ah, ils vont nous faire des demandes, c'est cool ça. Troc. Un troc peut être conclu avec un commerçant lorsqu'un commerçant visite la colonie, ok. Et les pilleurs, de temps en temps, des pilleurs peuvent s'intéresser à votre colonie. S'ils passent à l'offensive, les tours de guet, tours à sirènes et barricades vous permettent de défendre votre colonie. Un groupe de pilleurs traversera votre colonie, pillera les ressources de tous les bâtiments à proximité. La vache. Au passage, tous les bâtiments se trouvant dans cette zone seront endommagés. Les pilleurs se retirent quand ils ont pillé assez de ressources ou si leur morale baisse fortement. Si la milice tire sur les pilleurs avec des projectiles métalliques, leur puissance de force est réduite. Si la milice tire avec des balles en caoutchouc, le moral des pilleurs est réduit. Oula. Eh ben, il y a un système d'eau froide. Enfin, on va voir ça. J'espère que le tuto va être complet.
Everything you need to know should be right here. I think the time has come for us to at last build ourselves a new home here. Alors, bien joué. Excusez-moi, j'ai la voix qui casse. Bien joué, tout ce qu'il faut savoir devrait s'y trouver. Maintenant, bâtissons notre nouveau foyer. Il va falloir que je me rappelle avec ma mémoire de poisson rouge que le petit onglet complètement à gauche, ben, c'est écrit guide de survie, journal, notification et les tâches. Ok. Ici, on a quoi? L'eau. On a 600 en stock au départ, 600 de nourriture, 200 de bois, 200 de débris, 15 outils. On a 15 de protection anti-radiation. On n'a pas de médicaments, on n'a pas d'étoffe, on les trouve dans les débris, pour cela il faudra un centre de recyclage. On n'a pas de métal, pas de plastique, pas de circuit, pas de charbon. Ici, nos connaissances sont à zéro, on a 10 adultes, les adultes peuvent être affectés à une profession, aider à traverser ou effectuer des tâches simples. Donc on a 10 personnes, 5 enfants. Ici, je pense que c'est la confiance. Voilà, la confiance. Les radiations. La santé de moyenne de tous les colons. Et ici, la nourriture riche. D'accord. En bas ici, on a quoi? Les stats. Les ressources. La limite de production. Les travailleurs. Les bâtiments et les tâches. Et ici, on a la météo. Donc ça, va falloir faire gaffe. Ici, on a pause. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme tout jeu de gestion, hein, pause, play et vitesse accélérée. Et ici, on a quoi? On a radiation terrestre. Cliquez pour afficher les radiations terrestres. Alors, déjà, on va regarder. En radiation, il y a ici en vert, mais c'est pas trop, trop embêtant. C'est les rouges les plus dangereuses. Ici, on a une petite zone un petit peu plus élevée de radiation. Alors, comment ça se passe? Je découvre en même temps que vous. Donc ici, on a des tas de débris. Alors, c'est assez bien foutu, je trouve. On voit nos petits colons avec... c'est avec du recyclage. Hein. Tout ce qui reste du temps ancien, va falloir qu'on aille... ils vont aller récupérer les débris pour qu'on puisse construire des choses. Il est assez bien foutu, je trouve, pour le moment, mis à part ce problème de voix en anglais avec le texte qu'on ne peut pas agrandir, quoi. Voilà. Donc bien joué, tout ce qu'il faut savoir devrait s'y trouver. Maintenant, bâtissons un nouveau foyer. Before we can construct buildings at all, we have to assign the profession builder to several settlers so that they can take care of construction contracts. In general, it's your responsibility to decide which tasks are important and how our settlers are supposed to be distributed to attend to them. Alors, avant de pouvoir construire un quelconque bâtiment, nous devons demander à certaines personnes d'assumer la profession de constructeur. En général, il vous appartient de décider quels sont les métiers importants. Établissez vos priorités avec soin et répartissez-les au sein de votre population. Alors, ici. Alors, on va mettre 4 travailleurs, 4 constructeurs. On a 10 personnes, on va mettre 4 constructeurs. Ouais, on va voir. Ok. Bien, vos constructeurs sont prêts. As soon as construction contracts have been issued, it's time to start focusing on our key and most basic need, water. Bien, vos constructeurs sont prêts à travailler dès qu'ils reçoivent une tâche de construction. Maintenant, concentrons-nous sur le besoin le plus essentiel, l'eau. Alors, voyons voir si je mets lecture, si nos petits bonhommes bougent. J'ai mis 4 constructeurs. Je sais pas si... Alors, vous devez placer une casse pour récupérer des matériaux de ce machin. Bon. On va suivre le tuto. Là, j'ai pas l'impression qu'il bouge beaucoup. On a mis 4 au lieu de 3. Ok.
Compris? The first thing we ought to do is to establish a working water supply. So, we'll move on to our first construction contract. Place and build a jetty by a lake in the vicinity of your town center. Alors, je mets sur pause. Pour commencer, nous allons devoir construire un système d'approvisionnement en eau. Ensuite, nous enchaînerons avec notre première tâche de construction. Placez et construisez un appontement, je vais y arriver, sur un lac proche de votre centre communal. Alors, on va regarder parce que l'eau, elle est contaminée, qu'on ne foute pas l'appontement dans un truc complètement foutu. Alors, il me semble que les bâtiments sont par là. Donc, on a l'appontement d'eau là. Ok. Alors, faut que je tourne. Alors, c'est avec R. Là, on n'est pas dans une zone polluée. On va le mettre... voilà. Entendu? Je l'ai fait. Ah oui, d'accord. Peut-être que si je mets la vitesse, ça le fera. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils bougent? Ils ont pas l'air. Si, ça va. On voit nos petits bonhommes ici en train de démonter le bus. Ils vont aller construire, vous voyez, on les voit un petit peu partir avec des morceaux d'épave de bus. Et ils vont aller construire notre petit ponton là, je pense. On va mettre en vitesse accélérée. Ouais, on les voit là, hop, je vais y arriver. Ah ouais. Very good. The jetty was completed as planned. Now we have a place where we can collect water. There are other possibilities to gather water too, but the jetty is the simplest and most cost-effective method. Ok, bah ils sont allés super vite, hein. C'est des super constructeurs en tout cas. Alors, très bien, l'appontement a été terminé selon les prévisions. Nous avons maintenant un endroit où obtenir de l'eau. Il y a d'autres moyens d'obtenir de l'eau, mais l'appontement est le plus simple et rentable. Alors, la première des choses, donc, construire un appontement au niveau des autres parties qu'on pourra faire. Il faudra construire l'appontement. Je trouve ça, ce mot bizarre. Appontement. Ok. Bon, la suite. We can obtain and store water from different sources, like a jetty, rain collector, or well in the cistern. The cistern should always be in close proximity to a water source. So that our water carriers don't have to walk too far. Alors, la citerne est capable de stocker l'eau provenant de différentes sources comme les appontements, les collecteurs d'eau de pluie et les puits. Elle doit se trouver à proximité d'une source pour éviter d'avoir à parcourir de grandes distances. La citerne est ici, d'accord. Où je peux la mettre? Ben, si on l'a tout à côté, ce serait peut-être pas mal. Alors, là, je peux pas. On va faire comme ça. Go. Alors, est-ce que nos petits bonhommes vont... Ah! Si, ça l'a mis. Je croyais avoir fait une bêtise. Voyons nos petits bonhommes. Oh, ça course vite. Oh, regardez. Il y a des petits lamas, là. Il y a des petites bébêtes qui ont survécu, quand même. Ça, je pense que ça va être la chasse. On va pouvoir chasser aussi pour se nourrir. Ok. On va remettre vitesse rapide, hein, le temps que nos petits bonhommes là, ils construisent. Les autres, ils foutent rien. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Wow. Ils sont super énergiques quand même. Hein. Ok, pause. Citerne.
je suppose qu'il faut que j'attribue assigner des colons à la profession porteur d'eau. Ok. Donc c'est ici. Porteur d'eau, on va en mettre 2. Voilà. Je pense que c'est bon. Voyons voir. Ah, ils conseillent d'en mettre 3, eux. On va en mettre 3, s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir. Voilà. Pour enfin, ah, il fallait en mettre 3 pour valider le tuto, là. En attendant qu'il fasse ça... Voilà, on le voit, on les voit là, ici, là. Prendre l'eau. Il va donc l'amener là pour purifier, je pense, l'eau. Il faut qu'on produise, pour valider, il faut qu'on produise 100 d'eau. On passe en vitesse accélérée. Très accélérée. On voit les radiations hein, qui. Ah. We have now installed a working water supply, and water is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water in storage. Alors, super, nous avons un système d'approvisionnement en eau opérationnel et l'eau est désormais transportée de l'appontement ici à la citerne. Ok, ça on avait compris. Pensez à ajouter d'autres porteurs d'eau si vous avez suffisamment de personnes disponibles. Vous ne pouvez jamais avoir trop d'eau en réserve. Donc on peut rajouter, on pourrait rajouter un autre, mais bon là. Now we should focus on food production. It's important to ensure the supply right from the start. A gatherer's cabin, a hunting lodge, or a fishing hut can directly remedy the situation. I suggest starting with a fishing hut, since we're already located near a lake. Ok, bon, si j'ai un petit conseil à vous donner, mettez votre jeu en pause hein, pour éviter d'avoir des morts. Ou qui consomment la nourriture tout seul. Concentrons-nous à présent sur la production de nourriture. Il est primordial de mettre en place une source immédiate de nourriture. Une cabane de cueilleurs, une cabane de chasse ou une cabane de pêche. Par exemple, je vous conseille de commencer par la cabane de pêche étant donné la proximité du lac. Oui, mais alors qu'on la fout pas dans la zone irradiée, quoi. Alors, cabane de pêche. Voilà, cabane de pêche. Faut la tourner, je suppose. Voilà. Là, on peut pas, c'est en rouge, on va le mettre là. Ok, on va remettre en lecture avancée. Est-ce que nos petits bonhommes ils vont construire? Ouais, on les voit là, hein, qui démontent le bus là, les épaves. Voilà, on les voit arriver assez rapidement. Je suis un peu en vitesse super rapide. Voilà. Les autres continuent leur boulot de ramasser de l'eau. Eux, ils construisent. Hein. Ok. Donc je suppose qu'il faut assigner les colons pêcheurs. On va en mettre 2. Voilà. 2 sur 2. Et ils vont nous produire donc 50 de poissons. Alors, on va en mettre play. Vitesse rapide jusqu'à qu'ils fassent ce que le tuto demande. Ok. We've now taken care of our basic supply via food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times, especially if you want to upgrade your settlement. A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply, bringing major difficulties for you if you don't watch out. Alors dans les réglages, par contre, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la possibilité d'assigner vos touches, de les personnaliser et de mettre ou non la sauvegarde. Et si vous mettez la sauvegarde, vous pouvez régler tous les combien vous voulez que la sauvegarde soit faite automatiquement.
Alors, bon travail, notre ressource de nourriture a permis de satisfaire nos besoins primaires. Essayez d'avoir en permanence des réserves d'eau et de nourriture, surtout si vous développez votre colonie. Une population en plein essor peut rapidement mettre en péril votre solde d'eau et de nourriture. Ne l'oubliez jamais. Il nous met le moral, hein. C'est déjà l'apocalypse, mais il nous met le moral, le monsieur. Crops are another excellent way of getting food, because they constantly grow as long as the soil is moist enough. Each seed has different yields and growing times. This means that it could take some time until your field is ready to be harvested, in contrast to your fishing hut, where production can be right away. Alors, les champs sont une autre excellente source de nourriture car les graines poussent toutes seules tant que le sol est humide. Chaque graine a un rendement et un temps de pousse différents. Il faudra donc du temps avant qu'un champ soit prêt pour la récolte, à la différence de notre cabane de pêche où la nourriture est directement disponible. Ok, donc je suppose qu'il faut que je construise un champ. Voilà. Alors, on va essayer de le mettre. On ne va pas le mettre dans les zones contaminées. Est-ce qu'ici je peux foutre le champ là? Ici là. Alors. Voilà. Non, non. Arrêtez-toi là. On va faire. Voilà. Un champ. Entendu. Alors, assigner des colons à la profession de fermier. Alors, c'était ici. Fermier, on va en mettre un, ça suffit. Graines de champ choisies. Alors, où je trouve ça? Cliquez pour afficher l'humidité du sol. Ah zut, j'ai pas affiché un. Waouh. Alors, humide, je l'ai foutu le champ dans un truc qui n'est pas du tout humide. Alors, est-ce qu'on peut le casser? Démolir. Ok. Donc, dans une zone humide. Donc, ce serait ici qu'il faudrait mettre le champ. Alors, on est reparti. Est-ce qu'il veut bien me le mettre ici? Ouais. Hop. Voilà. Ensuite, attribuer le travail du fermier, puisque du coup, ça l'a annulé. Hop. Et graines. Alors, je les trouve où, les graines? Ça ne me le dit pas, hein? Alors là, c'est les métiers. Stockage, population, bâtiment, c'est pas ça. Où c'est? Ah, on a eu un bébé depuis, déjà. Ils se sont reproduits. Tout va bien. Où je trouve les graines? Ça qui me. Il faut cliquer sur le champ, peut-être. Ah, ben voilà. Oui, il faut cliquer, en fait, un clic gauche sur le champ et choisir une graine. Bon, il ne me laisse pas trop le choix, c'est du chou. Choisir une graine. On n'a pas eu le choix. Variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock up on food and adapt your production to avoid bottlenecks. I'll show you a few more strategies later on. Alors, Jolie, n'oubliez pas que nous avons besoin de divers types de nourriture pour rester en bonne santé. Vous devez également prévoir les périodes de sécheresse et les saisons sans pluie. Faites des réserves de nourriture ou équilibrez votre production pour éviter les pénuries plus tard. Je vous montrerai des stratégies plus élaborées. Ok. Bon, on a un champ de choux. Ils ne nous ont pas trop laissé le choix du champ. Mais il va falloir déblayer toute cette zone, hein, je pense. Alors, on a une minima plat. Ok. Ok, compris, monsieur. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away.
Assign a Gather All Resources task. All the settlers who haven't been assigned any profession by you are going to accept these kinds of tasks. In addition, settlers distribute resources within your settlement. Alors, au départ, nous n'avons pas beaucoup de débris, bois et autres ressources. Nous pourrions construire un bâtiment de production, mais pour trouver des matériaux bruts rapidement, nous devrions commencer la collecte tout de suite. Assigner des tâches pour récupérer différentes ressources. Les colons sans profession spécifique réalisent ce type de tâches et répartissent les ressources dans votre colonie. Alors, placer une tâche, récupérer du bois. Placer une tâche, récupérer du bois. Ah, ben voilà. Alors, récupérer du bois. Ok. Alors, ben on va déblayer. Où c'est que ça nous ennuie le plus, on va dire, ici, pour pouvoir s'agrandir. Voilà. Et récupérer des débris. Ben, idem. Hein. Hop. La zone soit verte, voilà. Ok. On va attendre qu'il récupère, je pense. On met en vitesse accélérée. Ah, est-ce qu'ils y vont? Ouais, c'est bon. Ah, ça a été dur à trouver, mais on y arrive. Mais j'ai toujours mon alerte de sans-abri, là. Pour l'instant, je peux pas placer de maison. Là, j'ai quoi? Sécheresse. Oh, génial. Ils vont tous claquer dès le tuto, moi. Alors. Donc, au niveau du bois, on est bon. Au niveau des débris, il en manque encore. C'est bon. Then you don't have to always make efforts by hand, and collecting is taking place. Production buildings are not only easier to manage, they are also distinctly more effective than simple tasks. Don't place production buildings too far away from your settlement. You'll be able to change their working area at any time later on. Ok, alors maintenant que nous avons plus de ressources en stock, nous pouvons construire de vrais bâtiments de production. Cela évitera d'avoir à donner des ordres manuellement. Les bâtiments de production sont plus faciles à gérer et vous permettront également d'obtenir davantage de ressources. Ne les placez pas trop loin du camp. Vous pourrez modifier leur zone de travail par la suite. Ok. Donc notre zone de vie, elle est plutôt... Non, je n'ai pas construit, mec. Ça a zappé le truc. Alors, en bâtiment. Il nous a dit... La sauvegarde. Alors là, c'est dommage que la sauvegarde nous enlève le menu. Mais bon. Alors, on l'a fait. Nourriture. Cabane de pêche, tout ça, on l'a fait. Ressources. On peut mettre une cabane de forestier. Qu'il faut pas mettre trop loin du camp, il a dit. Bah, écoutez, on va... Comment on pourrait faire ça? On va foutre un petit peu au pifomètre, hein, vu le tuto. Voilà. On a une cabane de forestier. Ensuite, on n'a rien débloqué d'autre au niveau du taux. Habitation, non. Communauté, logistique. Technologie, électricité, on n'a pas encore débloqué. Déco, défense, les tâches. Récupérer du bois, les débris, c'est fait. On peut mettre une autre zone peut-être de débris, je pense, à moins que le tuto ne nous le permette pas. Alors, la cabane de forestier. Mais j'ai pas mis de stockage. Hein. Décoration, électricité, technologie, logistique, communauté, habitation, ressources.
on a bien la cabane de bois. Nourriture. Oh, bon. On va mettre... si j'en ai un constructeur, donc normalement... Il devrait construire notre cabane ici, là. Voilà. Je vais peut-être mettre plus que de... Je vais mettre deux constructeurs. Et un forestier. Ouais, je pense que ça peut ne pas être mal comme ça. On teste, hein. Alors, les constructeurs, ils foutent quoi? Dans l'ordre, il a bien planté, hein, le jardin, là. Ça, c'est du constructeur. Ok. Alors, beau travail, vous pouvez également déplacer la zone de travail de cette installation par la suite. Oui, parce qu'on va agrandir, hein, petit à petit le village. Enfin, le village. Je dirais plutôt les favelas, là, vu l'état des baraques. Hein. Puisque c'est avec des déchets qu'on et des débris qu'on fait nos maisons et nos truches, je parlerais plutôt de favelas. Là. Vous pouvez également déplacer la zone de travail de cette installation par la suite et indiquer aux travailleurs où ils doivent se procurer du bois. Au fait, si vous pouvez vous permettre ce luxe, dites à nos forestiers de se limiter à reboiser la zone et ainsi créer une forêt luxuriante pour les générations futures. Donc quand il n'y a plus d'arbres, on peut lui déplacer, on peut la casser et déplacer ailleurs, mais il faudrait qu'il replante, on va déjà nettoyer, je pense. On verra. Entendu? Very good. Now we want to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources because the quantities present are limited. And we can recover other resources from scrap. Unlike the task we just had, the scrap yard allows larger quantities of existing scrap to be dismantled than with ruins or wrecks. Alors, très bien. Alors, je ne me rapproche pas trop parce que le jeu fait du bruit. Ou alors, il faudrait que je baisse le son du jeu, là. Hop, voilà. Alors, très bien. Concentrons-nous à présent sur la récupération des... débris. Les débris sont une ressource précieuse parce que en nombre limité et parce que nous pouvons en tirer plusieurs ressources. À la différence des tâches précédentes, la casse permet également de démonter de plus grands tas de débris tels que les ruines et les épaves. Alors les ruines et les épaves, je pense que c'est tout ça là. Épaves, voilà. Épaves de camion. Ça, c'est des tas de débris. Ok. Ok. Donc, que dois-je faire? Bâtiment casse. Il faut que je construise une casse. Alors, elle est où, elle? La casse. Provenant des ruines situées dans une zone spécifique. Bah, écoute, on va essayer de la foutre... Alors, l'entrée est en vert. On va essayer de la mettre là où il y a du truc, quoi. Disons, est-ce que je peux là? Ouais, non. Ouais, voilà, on va toute la casse là. Voilà. Et je suppose qu'il faut attribuer, assigner des colons à la profession ramasseur de débris. Non, mais j'ai pas 3 millions de colons. Hein. Ramasseur de débris, on va en mettre 2. On va voir. Allez, parti, lecture, et en vitesse accélérée, on va voir ce que ça donne tout ça. Bon, on est en période de sécheresse, hein. On l'a là. On a 12 adultes, 3 enfants, et un SDF.
Mais pour l'instant, il nous a pas demandé de construire de maison. Ils sont en train de construire la casse ici. Alors, par contre, je peux peut-être... ouais, non, la zone est toujours... Il faudra que je fasse gaffe aux radiations ici. J'ai toujours un constructeur, hein. Oui, j'en ai deux même. Voilà, qui me nettoie la zone pour qu'on puisse après s'étendre au niveau de... Ici. Ça construit là, enfin ils amènent les épaves. Voilà, je suppose qu'il n'y a plus de bois, donc ça on va le détruire, modifier la zone d'activité. On va peut-être enlever ici, voilà. Hop, on va la sortir de là, cette zone. Lecture, vitesse accélérée. Histoire d'y voir un petit peu plus clair. On n'a pas de mort pour l'instant, tout va bien. Ok. You can change the working area for the scrapyard too. We can recycle scrap into four additional resources: cloth, metal, plastic, and electronics. We'll do that shortly, but for now, we ought to take care of your settlers' needs first. Alors, super, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail du bâtiment qu'on a mis, c'est-à-dire la casse qui est ici. Quand il n'y a plus de ressources, peut-être qu'on peut la bouger, ce qu'il est en train de dire. Alors, on pourra déplacer la zone de travail de ce bâtiment. Ah oui, d'accord. Le bâtiment, lui, on ne le bouge pas, à moins que quand on va développer notre village, ce soit trop près des habitations, ça peut faire en sorte que les survivants ne soient pas heureux. Donc, on la bougera peut-être, la casse, mais au début, on met tout près, je pense. Et ensuite, donc, on peut... c'est des zones, comme pour les arbres que j'ai déplacés là, les zones où quand il n'y aura plus de débris ici à ramasser, on peut les déplacer et la carte est assez grande quand même. Alors, que nous dit-il le monsieur? Super, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail de ce bâtiment. Les débris peuvent être recyclés sous forme de 4 ressources différentes. Les étoffes, le métal, le plastique et les circuits. Alors, en cliquant sur le nom en orange, ben, on ouvre automatiquement... Le guide de survie qui nous dit à quoi sert les étoffes. L'étoffe sert à construire certains bâtiments comme le magasin de tailleur, le refuge. C'est également un composant clé des équipements de protection. Donc ouais, c'est quand même bien foutu. Le métal, on va en faire que deux. Hein. Le métal sert à construire certains bâtiments comme les stations d'expédition, l'atelier. C'est également un composant clé dans la fabrication des outils. Et après, si on ne sait pas à quoi sert l'atelier, on peut cliquer dessus. Et ça nous envoie directement à ce que c'est que l'atelier qui emploie des techniciens, qui fabrique des outils de fortune ou en métal avec du bois, des débris. Le prochain type à construire peut être défini. Le technicien employé, donc il faudra à chaque fois mettre un employé. Ouais, non, ça c'est bien foutu, il faut être honnête. Donc nous le ferons dans un instant, donc pas tout de suite. Donc le métal, il fera quoi? Alors attendez. Les débris peuvent être recyclés sous forme de 4 ressources différentes, étoffe, métal, plastique et circuit. Nous le ferons dans un instant, mais pour l'instant, occupons-nous des besoins de notre population. Bien. Okay. Our people want a place to sleep and live. Cabins fulfill their need for safety and privacy and increase the confidence of their inhabitants. In other words, building cabins increases their willingness to start families and reproduce. If you know what I mean. Alors, notre population réclame la construction d'un endroit où habiter. Oui, ça fait un petit moment que j'ai des SDF. J'en avais un, maintenant j'en ai deux. Notre population, donc, les cabanes répondent à leurs besoins de sécurité et d'intimité. Et cela a une influence positive sur leur confiance en soi. On l'a vu au début, la confiance en soi, c'est le bonheur. Plus ils sont heureux, plus ils travaillent vite.
Et puis ils sont en bonne santé. S'ils n'ont pas de confiance en eux, le problème étant, c'est qu'ils marchent au ralenti, ils font rien et ils sont plus sensibles aux radiations et ils peuvent mourir plus facilement. En d'autres termes, leur construire un domicile stimule leur volonté de fonder une famille et, 3 points de suspension, de se reproduire, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Quelle est la reproduction chez l'humain? Alors, on va construire ici. Donc, on devrait avoir maintenant les habitations qui sont débloquées, tout à fait. Donc, on va essayer de centrer ça correctement autour, là. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors, en vert, sur la droite, là, en bas, vous avez, les entrées sont en vert, les zones problématiques en rouge. Donc, on va mettre, je sais pas moi, on va mettre, on peut mettre une comme ça. Et une autre à côté, si on a assez de bâtiments, puisqu'on en a 2 SDF, ici. Colons sans abri. Voilà. Hop. Allons-y. Hop. Lecture. Vitesse accélérée. Waouh. C'est des barges. Ok. Ah, il m'en faut 8. D'accord. J'avais pas vu au niveau du taux. Donc, il faut 8 baraques. Alors. 2. Essayez d'être... là, on va le foutre ici. Là, le problème étant qu'il y a de la radiation. Certes, pas très nocive, mais bon. Si on peut éviter. On va pivoter. Hop, on va le foutre 3. Pivoter, attaquer l'autre côté, 4, 5, 6, on peut peut-être mettre ici, 7 et 8, voilà. Allez, lecture, construis-moi ça. On a nos petits bonhommes satellites. Bon, je suis en vitesse x3. Hein. Si je mets en vitesse normale. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, la sauvegarde qui nous enlève le... Ici, apparemment, c'est plein. Alors, peut-être que je peux... Ouais, non, j'ai envie de les laisser... Ou alors, je mets ceux qui ramassaient l'eau. Alors, la citerne, il y a quoi? Trois sur 5. Et on va en enlever un. Donc, limite de production 2170. Là, ça nous dit quoi? La réserve de ce bâtiment est presque plein. Il faudrait peut-être faire une autre réserve d'eau. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Alors, je vais la faire dans l'autre sens. Hop, comme ça. Alors, ça n'est pas dans le tuto, mais vu que l'autre est pleine, pourquoi pas? Alors, on va passer en vitesse accélérée, parce que sinon, ils vont mettre 3 plombes à construire. La map est immense. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de tempête radioactive ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en alerte, là? Sécheresse en approche, oui. Ben, prenez vite l'eau, les mecs. Besides cabins, we could also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce in a shelter because they lack privacy. Alors, en plus des cabanes, c'est-à-dire ce qu'on a fait là, il aurait pu le dire avant, monsieur, je me serais organisé autrement, mais c'est bien comme ça, le tuto nous permet de ne pas refaire les mêmes bêtises que ce qu'on avait avant, enfin, ce qu'on a fait là.
Parce qu'en fait, comme il dit, les cabanes, vous pouvez construire des maisons solides et des refuges comme lieu de vie. La maison solide résiste mieux aux tempêtes de sable. Les colons ne se reproduisent pas dans les refuges à cause du manque d'intimité. Donc, si on veut augmenter notre population... Alors, tout à l'heure, on avait des enfants, ils sont passés, je pense, adultes, puisqu'on a 15 adultes maintenant. Le problème étant que dans les refuges, certes, on peut accueillir des gens, mais si on veut qu'ils se reproduisent, il faut faire soit des maisons solides, soit des cabanes. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau des habitations? On va dire compris. J'ai compris. Let's return from our excursion into housing and refocus on scrap. With the help of a recycler or refinery, scrap can be sorted into four different resources. A recycler always takes scrap apart, one resource at a time, while a refinery automatically produces all four resources. To start off, you should build a recycler and produce cloth. Alors après notre découverte des logements, donc on a trois niveaux, les cabanes, les maisons et les refuges. Les cabanes, ils peuvent se reproduire, les maisons, ils peuvent se reproduire, les refuges, ça demande, ça, on peut accueillir beaucoup plus de survivants, sauf qu'ils ne se reproduiront pas dans les refuges pour, un manque d'activité, pour le manque d'intimité. Je pense que c'est mieux de ne pas faire de refuge. Enfin, on verra ça petit à petit. Donc là, il nous dit quoi? Concentrons-nous à nouveau sur les débris. Ils peuvent être recyclés sous forme de différentes ressources à l'aide de centres de recyclage ou de raffineries. Les centres de recyclage ne recyclent les débris qu'en une seule ressource, tandis que les raffineries les séparent automatiquement en quatre ressources. Commencez par construire un centre de recyclage et recycler de l'étoffe. D'accord? Donc, on va en rester là de cette première partie du tuto global de Endzone, A World Apart. Je ferai une partie 2 parce que j'ai fait ce que vous avez vu là, je l'ai fait en live. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu plus avancé. Je vous posterai très rapidement la partie 2. Moi, pour l'instant, ce que je pense du jeu, en tout cas, je le trouve super sympa et très très complet pour un jeu de gestion. La difficulté est quand même assez corsée, on peut voir dans le tuto, il y a pas mal de choses à faire. Mais on verra petit à petit comment va progresser le jeu et comment notre village va progresser. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si pour l'instant ce que vous avez vu, les autres parties vont arriver. Si je vous avais tout mis, on l'a fait en live pendant 3 heures. Donc, si je vous avais tout mis, vous auriez 3 heures de vidéo. Donc, je la découpe en fragments. Donc là, c'est la première partie. On se retrouvera pour la partie 2. Vous verrez, il y a d'autres choses encore qu'on va découvrir, etc. En tout cas, moi, je le trouve très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, il faut aimer les jeux de gestion, évidemment. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous y jouez, si ça vous donne envie d'y jouer ou pas. En tout cas, je le trouve très très prometteur ce jeu-là. Et puis, j'aime bien les jeux de gestion, Dan Hoffman, Banished. Tout ça aussi, c'est des jeux très très sympas au niveau de la gestion. Et puis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch, vous aurez les liens en description. Et tout simplement, un petit commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas, peu importe si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je remercie encore les développeurs de m'avoir offert la clé du jeu. On se retrouve très vite pour la partie 2. Et sur ce, plein bibi, plein zouzou. Et bonne soirée à vous. Bye bye.